Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo fête Halloween, donc il y aura des DIY, décorations, snacks, un petit peu de tout. J'ai reçu plein de trucs du site déguise-toi.fr, je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure de la vidéo pour faire mes décorations. Je vous mets tous les liens des produits en barre d'infos s'il y en a qui vous intéressent, vous aurez juste à cliquer dessus, c'est parti. Des petits cartons en forme de pierre tombale avec une tête de mort et une écriture dessus. C'est vraiment des petits cartons très fins. Donc moi je vais les accrocher sur les chaises, au dos des chaises, ça fera une décoration sympa. Un vase avec un bouquet de roses avec des toiles d'araignée dessus. Ça pour faire un centre de table, c'est super beau. Un squelette tout en pièces. Enfin il est tout détaché en fait, c'est juste des os séparés. Donc ça va être pour faire le buffet, ça va être super sympa. Deux petits squelettes, donc une squelette mariée et un squelette articulé. Un cerveau. Un sachet avec plein de mains de squelettes. Une araignée squelette. Pour le premier DIY, vous avez besoin de têtes de poupées. Elles font carrément flipper, je les ai trouvées sur le site Déguise-toi. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous les voulez. D'un chandelier ou d'un bougeoir comme vous voulez et de petites lumières comme ça, vous trouvez sur Amazon. Je vais commencer par percer les yeux de mes poupées parce que je vais mettre la petite lumière dans le fond du bougeoir et comme ça on verra les lumières par leurs yeux. Hop, je vais faire pareil pour les trois. Donc voilà, j'ai mes trois têtes de poupées qui ont les yeux percés. Ensuite, je prends mon chandelier et je vais mettre mes petites lumières. Et ensuite, je mets ma tête de poupée sur chacune des branches du chandelier. Et du coup, voilà ce que ça donne. Pour ce DIY super simple, il suffit de prendre une nappe en rouleau, donc une nappe en papier, quelque chose qui coûte vraiment pas cher du tout. Si vous avez une bande de tissu, pourquoi pas, mais si vous n'avez pas, autant prendre une nappe, parce que le tissu ça coûte beaucoup plus cher. Donc moi j'ai pris une nappe en papier, hein, ça coûte même pas 1€ et vous en avez pas mal dedans. Il vous faut également du faux sang, celui-ci je l'ai trouvé sur le site aussi. Donc moi j'ai pris un gros bidon, mais vous n'êtes pas obligé de prendre autant, c'est vraiment beaucoup. Ensuite, vous prenez simplement un récipient, vous trempez vos pieds dedans, ou alors avec des vieilles chaussures, si vous avez une vieille paire de chaussures, vous fichez un petit peu que ça reste un peu taché, parce que c'est écrit que ça tache. Donc... Et voilà, donc vous avez juste à marcher, faire des pas, faire des petites gouttes de sang par-ci par-là sur votre bande de nappe. Pour ces petits snacks, vous avez besoin de deux tranches de pain de mie qu'il va falloir couper en forme de cercueil. Je vais peut-être en faire deux cercueils par tranche. Comme ça, du coup, je vais couper en deux et après, je vais le mettre en forme de cercueil. Ensuite, pour faire un petit croque-monsieur, moi personnellement, d'habitude, je ne mets pas de beurre, mais je vais chez les gens qui aiment le beurre. Donc je vais mettre du beurre. Oui, Caro, on parle de toi. Donc bon, mettons du beurre pour la faire plaisir. Hop. Donc du coup, on va faire un peu comme ça. Hein. On va essayer de perdre le moins possible, comme avec le pain de mie. C'est qui là? Ok, après que je fasse la même opération avec le fromage.
Donc je vais mettre le fromage dessus et je vais suivre la forme de vos pingouins. Après, vous remettez par-dessus l'autre morceau. Donc voilà, du coup, avec une tranche de pain de mie, vous pouvez faire deux bouts de cercueil. Avec une tranche de jambon, vous pouvez faire trois cercueils. Et avec une tranche de fromage, vous pouvez faire deux cercueils. Donc franchement, ça va, il n'y a pas trop de pertes. Ensuite, ça dépend comment vous faites vous vos croque-monsieur. Si vous les mettez au grill, n'écrivez pas tout de suite le RIP dessus. Si vous les mettez au four, comme nous, on va faire, vous pouvez l'écrire tout de suite directement avant le four. Donc je vais l'écrire avec un colorant noir, moi personnellement, mais vous pouvez l'écrire avec de la moutarde, avec du ketchup, ça sera très bien. Du coup voilà ce que ça donne, franchement je les trouve pas mal, c'est mignon hein. Qu'est-ce que t'en dis toi? Ouais, c'est un peu mal écrit mais ça va. Ouais mais c'est pas facile hein. Pour le deuxième snack, vous avez besoin d'une pâte feuilletée, de sauce comme vous voulez. Moi, je vais mettre ketchup et moutarde que je vais étaler dessus. Et après, vous avez besoin aussi de saucisses knacky. Ensuite, je vais mesurer la taille des petites saucisses à hot dog pour voir où il faudrait que je coupe. Du coup, enfin, je pense que je peux en mettre une. Ouais, une comme ça. Hop. Je peux en mettre deux. Donc du coup je vais couper là. Hop. Ensuite je pense que je vais couper en lamelles ça comme ça. Honnêtement ils sont assez connus ces petits snacks, mais j'ai même pas regardé comment on les faisait. Enfin j'ai supposé qu'on faisait comme ça, je sais pas trop. Mais du coup, je vais peut-être quand même couper la saucisse en deux. Je vais faire deux momies là, comme ça en fait. Donc après, je rabats mes petites lamelles de pâte pour faire les bandes de la momie. Je les mets complètement au hasard. Hein. Et du coup voilà, j'ai une petite momie feuilletée. Donc après vous n'avez plus qu'à les mettre au four. Ensuite, pour faire un gâteau cimetière, vous prenez un gâteau au chocolat ou un brownie, enfin ou n'importe quel gâteau, ce que vous préférez. Je l'ai posé dans une assiette Halloween, en fait c'est une empreinte de main qui saigne. Ensuite par-dessus le gâteau que vous avez, vous mettez une fine couche de Nutella. J'ai étalé au maximum, hein. C'est vraiment une fine couche. C'est vraiment juste pour que ce que je vais mettre par-dessus colle en fait. Je vais tout simplement prendre un autre morceau de chocolat, de gâteau au chocolat, et je vais l'émietter par-dessus pour faire un genre de terre en fait, comme si c'était de la terre. Et voilà, donc du coup ça rend plutôt bien, ça fait vraiment effet terre. Ensuite vous avez juste à planter les moitiés de langue de chat dedans pour faire les tombes. Vous écrivez RIP dessus comme pour le reste au colorant noir. Et ça fait vraiment son effet, c'est super simple. Deuxième idée de gâteau, c'est de faire un gâteau au yaourt vraiment tout simple. Moi à l'intérieur j'ai mis, je l'ai coupé en deux et j'ai mis de la crème pâtissière. Mais bon c'est pas obligé, vous pouvez le laisser normal. Et pour faire le nappage du dessus, je vais le faire en chantilly. Clairement j'avais pas du tout envie de faire la chantilly, donc j'ai acheté de la chantilly toute faite. Je vais mettre du colorant vert dedans et tout mélanger pour que la chantilly soit verte. Logique. Et donc je vais recouvrir mon gâteau de ma chantilly verte.
C'est un gâteau d'Halloween, donc vous avez vraiment pas besoin de lisser et que ce soit bien droit, mettez n'importe comment. Là, ça fait vraiment dégoulinant et tout sur l'assiette, mais d'une fois que vous le mettez au frigo, la chantilly se fixe bien sur le gâteau et vous pouvez nettoyer le contour et ce sera beaucoup plus joli. Et ensuite, je vais mettre plein de petits yeux en sucre par-dessus, un peu partout. Je les ai vus sur le site déguise-toi.fr aussi. Et voilà du coup le résultat final, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve plutôt cool. Par contre la chantilly est vraiment en train de couler, donc je vais vite aller le mettre au frais parce qu'elle a pas trop apprécié que je la remue. Pour faire la boisson, j'ai pris le gros chaudron dans lequel j'ai posé un saladier. Ensuite vous prenez votre boisson préférée, peu importe ce que c'est. Là j'ai pris un mélange pour pina colada, donc je mets juste le jus de fruits dans le saladier. Donc ensuite je rajoute juste du colorant rouge et j'obtiens un liquide rouge qui fait un peu sang. Et pour terminer, je rajoute les yeux en plastique que j'ai eu sur le site également, je les mets par dessus et ça fait vraiment son effet, je trouve. Nettoyez-les avant de les mettre dans votre boisson, bien sûr. Sur le site, vous avez ça et je trouve ça super bien parce que c'est des petites étiquettes à coller sur les bouteilles. Donc là, ils vous montrent des bouteilles d'alcool, mais vous pouvez coller sur les bouteilles de soda. Hein. Vous enlevez l'étiquette originale et vous mettez celle-ci. Pourquoi pas sinon mettre sur des vieilles bouteilles vides pour faire de la décoration. Ça peut être super sympa, vous les salissez un petit peu. Et ça ferait vachement bien. Sinon, si vous avez des grands verres, pourquoi pas les mettre sur des grands verres pour vos invités. Chaque invité comme ça a son étiquette et reconnaît son verre. Voilà, donc en fait sur le site c'est vraiment pas cher du tout, c'est moins d'un euro. Vous pouvez faire plein de choses avec, comme je viens de vous expliquer. Donc pour moi ça c'est vraiment un bon plan.
La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez regarder mes vidéos précédentes en cliquant juste là sur les miniatures. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.